Salut à tous, Eric Le Goat chez Galagol Music. Bienvenue sur cette vidéo tutoriel concernant le morceau Riders on the Storm des Doors. Il s'agit d'un titre sorti sur leur album LA Woman, sorti en 1971. Et pour vous mettre dans l'ambiance un petit peu sombre de la chanson, les paroles racontent en fait l'histoire d'un tueur en série, voilà, un autostoppeur qui se faisait prendre en bagnole. Et il s'agit d'une histoire vraie. Et donc Jim Morrison s'est largement inspiré de ce fait divers pour écrire cette chanson. Voilà, bonne écoute, bon travail, et puis rendez-vous à la fin de la vidéo. Alors pour les explications, je vais reprendre un son de piano, disons classique, hein. Avec une sonorité comme ça, parce que vous n'avez peut-être pas à disposition un clavier. Si vous en avez un, bah tant mieux, vous mettez le son hors gamon, et ça vous permettra de ressembler, disons un petit peu de loin, mais un petit peu quand même, au jeu de Ray Manzarek, qui est donc le pianiste des Doors. Alors commençons par la main gauche. Alors là, il faut bien la prendre, cette main gauche, parce qu'elle va durer 80% du morceau. Donc mon do du milieu est ici, histoire que vous puissiez vous repérer. On va descendre une octave, d'accord, et on va encore redescendre d'une octave. Vous voyez ce do-là, et bien on va prendre deux tons à droite, la note mi à cette hauteur-là, qui va nous permettre de choper la première note du morceau. Donc il y a 8 croches en tout à retenir par cœur. Les 8 croches en question vont être les suivantes. Alors j'ai fait comment? J'ai mis mon petit doigt sur le mi, après le pouce sur le si, la quinte juste, après le sol avec le troisième doigt, et je rejouerai le si. Voilà les 4 premières croches. Mi, si, sol, si. Ok, les 4 croches qui suivent vont faire mi, la, do dièse et re la. Ok, donc entrons. Donc les 4 premières croches jouent en fait un accord de mi mineur, mi, sol, si, et les 4 croches suivantes forment un accord de la majeur, basse, mi. Voilà, si vous souhaitez avoir quelques informations supplémentaires sur la construction des accords et tout, je vous invite à consulter cette vidéo que j'avais fait qui justement concerne ce sujet. Au niveau du placement général de la main, donc la main gauche bien arrondie, comme ça, vous rentrez un tout petit peu dans les touches, de manière à pouvoir faire l'accord de la majeure sans trop de soucis, parce que le pouce va être obligé d'avancer un petit peu. Donc en cours de route, vous pouvez toujours, comme ça, hop, faire ce mini mouvement. Hop, j'avance un tout petit chouille pour que le pouce ait sa place. Et je reviens. Et voilà. Mais pas de grand mouvement de tiroir, hein. Ça sert à rien. Donc une fois que vous avez ça à la main gauche, bah vous êtes très content. Donc vous le bossez vraiment par cœur. Concernant la vitesse de ce morceau, le tempo est à 106 à la noire. Au départ, pour bosser la main gauche, et d'ailleurs la main droite qui va suivre après, vous descendez par exemple le tempo à genre 80 à la noire. Ce qui donnerait un truc comme ça. 1, 2, 3, 4. Progressivement, vous augmenterez le tempo. Bon, la main droite à présent. Donc, je resitue, do du milieu est ici, d'accord? Vous déplacez d'une octave au-dessus, plaf, d'accord? Et la note sur laquelle on va commencer, c'est la note mi également, comme on avait mis à la main gauche. Vous placez le pouce dessus, et le plan suivant va être construit autour de la note mi, la, si, mi. D'accord? Ça, c'est notre accord, qui va se placer comme ça. La main gauche commence toute seule. Deuxième mesure de main gauche. Et voilà, le rythme que joue la main droite sont des doubles croches, donc elles vont aller deux fois plus vite que ce que fait la main gauche. Et ça va partir exactement là-dessus. 1 et 2 et 3. Et quand vous tapez le do dièse, la main droite commence à jouer en même temps. Donc elle va placer deux notes. D'accord. 1 et 2 et 3. Et 4. Et puis on atterrira là-dessus, ok? 1 et 2 et 3 et 2 et 3 et 4. On continue. 1 et 2 et 3. Voilà, alors qu'est-ce que j'ai fait? À la main droite, je me suis déplacé un petit peu, j'ai mis le troisième doigt sur le sol et j'ai fait les notes sol, la, sol, fa dièse, mi, fa dièse. Et ça part exactement à la main gauche sur le do dièse, pareil. 1 et 2 et 3. Et comme ça reste des doubles croches à la main droite, c'est pour ça qu'on met deux notes pour une de main gauche. C'est-à-dire, encore moins vite. Et cette phrase là va partir sur le et du troisième temps, c'est-à-dire quand la main gauche jouera la note là. C'est-à-dire, je suis au début de la mesure. 1 et 2 et 3. On est toujours sur des doubles croches à la main droite, c'est pour ça qu'il y en a deux pour une note, une croche de main gauche. Franchement, plus lentement. 1 et 2 et 3 et. D'accord.
Ok, donc là on a fait les quatre premières mesures. Voilà la cinquième mesure. La main gauche retourne sur son mi mineur, la claque, et la main droite va partir en même temps sur le premier temps en faisant. Qu'est-ce que j'ai fait ? J'ai fait sol à la main droite en même temps que le mi croche de la main gauche, le premier temps. Je pique cette note. Ensuite, quand la main gauche joue la note si, sa croche suivante, je vais faire fa dièse en même temps. Après, la main gauche joue son sol tranquille. Et là, on va jouer la note ré à la main droite, soit avec le pouce, soit avec le 2, comme vous voulez. Moi, j'ai joué avec le pouce, mais on pourrait très bien faire comme ça. Ça, c'est la quatrième croche de cette cinquième mesure. 1 et 2 et 3. Et là, on a une petite appoggiature brève, c'est-à-dire, c'est comme si vous trompiez de note. Hein, c'est ce qui correspondrait presque à un slide sur la guitare. Il s'agit en fait de faire rapidement ré et mi. Mi étant la note de destination. Le ré est comme une erreur. Oh mince, je me suis trompé. Clac. Ok. Si jamais vous avez du mal au niveau du mécanisme comme ça, clac, vous pouvez le penser différemment. Vous pouvez vous dire que quasiment les deux notes arrivent ensemble, mais il n'y a que le mi qui reste. C'est-à-dire, d'accord, ça fait plus ou moins le même effet. Donc je vous joue la mesure 4 et 5. 2 et 3 et... Ok, une fois que vous avez fait ça, la main gauche fera une mesure complète. Et après c'est parti pour le grand frisson avec la grande descente en tierce comme ça qui va démarrer là-haut sur une note que l'on ne voit plus d'ailleurs. Donc il va falloir que je rebouge un petit peu la caméra. Je vous joue tout depuis le début jusqu'à maintenant. Pas trop vite. 2, 3, 4. 1. Décale les caméras avant toute chose. Voilà, c'est ainsi fait. Donc je joue les mesures 7, 8, 9, 10 au tempo, histoire que vous voyez ce que ça va donner. J'utilise pas la pédale pour l'instant. Et bim. Voilà. Donc, comment faire ? Alors, comme j'ai bougé la caméra, je resitue. Do du milieu est ici, d'accord ? On saute une octave, clac. On saute encore une octave, clac. Et on va aller chercher la note Si, qui est une note en dessous de celle que l'on ne voit pas, le Do. Donc le Si, ici. Oh là là, c'est loin. Le texte, c'est ça. Si, Sol, La, Fa dièse, Sol, Mi. Ok, on refait déjà ça. Donc pour les doigtés, hein, 5, 3, 4, 2, 3, pouce. Ensuite, on va mettre le troisième doigt sur le Fa dièse. Après, pouce sur le Ré. Et ensuite, quatrième sur Mi, puis Do dièse avec le 2. Ok. Dès qu'on est arrivé ici, 3 sur le Ré, après Si, Do dièse, La, Si, Sol. Ok, donc Si, Sol, La, Fa dièse, Sol, Mi, Fa dièse, Ré, Mi, Do dièse, Ré, Si, Do dièse, La, Si, Sol. C'est agaçant quand je dis non des notes, non, c'est pour rendre service, hein. Donc là, on a fait un tiers du boulot. Pour arriver à enchaîner tout ça, bossez-le par petites sections. C'est-à-dire, par exemple, les 8 premières doubles d'affilée. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1. Si possible, rajoutez-en une à chaque fois, de manière à avoir la note du départ du groupe d'après. Donc, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1. Et vous bossez ça en boucle. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1. Et refait. Et refait. D'accord. Une fois que vous commencez à être à l'aise là-dessus, vous repartez du mi en question et vous essayez d'en rajouter 8 autres, plus une, genre 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1. Et vous recommencez. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1. D'accord. Et après, vous essayez de faire les 16, plus une, d'affilée. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1. Tac. Ok. Et une fois que vous êtes là, vous êtes déjà content. Donc ensuite, on va continuer notre descente en tierce et on était donc ici, à la mesure 8. La suite va donner ça. Ok, déjà les 8 premières doubles de cette 8e mesure. La avec 4e, Fa dièse avec 2, Sol avec 3, Mi, pouce, Fa dièse avec le 3, pouce sur le Ré, Mi avec le 4, Do dièse et Ré. Et on refait ça. Ok. Et pour
pour vous aider dans la pratique de ce truc-là, n'hésitez pas à mettre des points d'appui, c'est-à-dire sur le temps 1 et le troisième temps, qui sont les temps forts d'une mesure à 4 temps, on peut intégrer un petit accent, ce qui va vous aider vraiment à rythmer l'ensemble et à moins vous perdre aussi. Donc par exemple, dans cette huitième mesure, les deux accents seraient donc sur la première, le premier temps. Et hop, d'accord, ici. 1, 2, 3. Ok, je vous refais la mesure 7 et la mesure 8 jusqu'ici. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, ok. Une fois que vous êtes rendu ici, donc je retape cette note et j'enchaîne, on est exactement sur le troisième temps de la mesure 8. Et on est presque fainé. Ok, donc Ré avec le 3, pouce sur le Si, Do dièse 3, La pouce, Si avec le 3, pouce sur le Sol, 4 sur le La et Fa dièse avec le 2. Encore une fois depuis le Ré, troisième temps de la mesure 8. Et à l'intérieur sur la note Sol, début de la mesure 9. Donc toute la mesure 8, depuis le La, premier temps. Ok, et on est quasiment sorti d'affaire, voici la mesure 9 qui pointe son nez. Ça va donner ça. D'accord. Ça, c'est plutôt cool. Donc, c'est Sol avec le 3, ici. Donc là, on est à côté vraiment du Do du milieu. Hein. Et c'est ça, les notes. Sol, Mi, Fa dièse, Ré, 4 sur le Mi. Do dièse, Ré, Si. Et le Do dièse qui arrive après est une croche. Donc, ça va deux fois moins vite que les doubles qu'on vient de jouer. Premier temps de la mesure 9. Ça, c'est la fin de la mesure. Je refais encore la mesure 9. Premier temps, deuxième temps, 3 et 4 et... D'accord, et après on atterrira sur ces trois notes-là. Un Mi mineur, renversé, Sol, Si, Mi. Je vous refais les mesures de 7 au premier temps de la mesure 10. 3, que la main droite encore. 3, 4, 1, 2, 3. Ok, on va maintenant mains ensemble. Alors la main gauche continue ton petit truc, petite ritournelle là, Mi, Si, Sol, Si. Elle fait des croches. La main droite fait des doubles croches. Donc, il faudra deux notes de main droite pour une note de main gauche. Bien joué. Donc mesure 7 au premier temps de la mesure 10. Alors pas vite du tout, hein. 3 et 4 et 1. Fait des croches, et ben comme la main gauche fait des croches également, elles vont jouer les notes en même temps. Et bim, on atterrit sur Mi mineur. Ok, donc pour le travail mains ensemble, parce que c'est vraiment pas évident ce passage-là, vous le travaillez pareil par petits groupes, ça ne sert à rien d'essayer de faire les trois mesures d'affilée, sauf si vous êtes super bon, et dans ce cas-là, ben bravo. Autrement, bossez-le comme ça. Bim, comme on a fait tout à l'heure, 8 doubles plus 1. 5, 6, 7, 8, 1, bim, et quand vous êtes un petit peu à l'aise avec ça, pareil, vous reprenez depuis là où vous vous êtes arrêté, 8 doubles plus 1. 5, 6, 7, 8, 1, et dès que vous êtes bon là-dessus, vous recommencez toute la première mesure plus le premier temps de la mesure d'après. Avec vraiment les accents sur le premier et troisième temps, c'est vraiment préférable. 1, 2, 3, 4, à la fin, faut que ça donne quelque chose comme ça. D'accord, et puis
puis on rajoutera un petit peu de pédale. Mais alors, bon, Raymond Zarek, me semble, avait une pédale spécifiquement pour sa main droite, et quand il l'activait, comme la main gauche était sur un autre clavier, on n'avait pas tous les sons qui se mélangeaient. Sur un piano, c'était un peu embêtant, donc faudrait changer la pédale vraiment deux fois par mesure, sur le premier temps et sur le troisième. Genre, là j'appuie dès le départ, hein, tlac, mi mineur. Je tape le mi qui fait partie de mon accord de la qui arrive, vraiment j'appuie le mi, et dès que ce mi est enfoncé, le pied va faire genre, d'accord. Souvent ça vient troubler les déplacements de la main gauche, donc vous le bossez vraiment à part ça, avec la pédale. J'appuie, je tape le mi, je change la pédale juste après, d'accord. Alors évidemment on voit rien, je sais, mais bon, voilà, c'est l'idée du truc. Voilà. Travaillez bien ça. Une fois que vous êtes arrivé sur l'accord de mi mineur, là, voilà, ça va être plutôt simplounet. On va avoir exactement 8 mesures pareilles qui vont donner ça. Voilà, fin de la mesure. J'ai fait quoi? J'ai fait un mi mineur à la main droite, tandis que la main gauche fait les 4 premières croches, même les 6 premières croches. 5, 6. Quand je vais taper le Do dièse à la main gauche, la main droite doit faire Fa dièse La Ré, qui est un accord de Ré majeur renversé. Alors ça fait bizarre, hein? Quand on le prend comme ça en séparé, mais quand on enchaîne, ça sonne très bien. Et on va piquer cet accord de Ré majeur, et on recommence. Ok, au niveau des temps, 1, 2, il passera sur autre chose pour compléter ce couplet. Allez, je vous joue tout depuis le début, pas trop vite, et ce sera bon pour cette première partie de tuto. Si jamais vous voulez avoir la suite, pareil, laissez-moi des commentaires. Mais je le redirai en fin de vidéo. 3, 4, 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3. Et let's go. Voilà. Bah écoutez, voilà, c'est tout pour cette première partie. Si jamais vous souhaitez avoir la suite, laissez-moi des commentaires en dessous, parce que généralement, quand je fais des vidéos trop longues, les gens s'ennuient. Donc je préfère scinder le morceau en deux. Et maintenant, l'instant social, où je vous dis que vous pouvez nous retrouver sur les réseaux Facebook, Twitter et Instagram. Je profite de la vidéo également pour remercier tous les tipeurs qui me suivent sur la page Tipeee. Voilà, leurs noms apparaissent à l'écran. Merci beaucoup à tous. Il me reste à vous souhaiter plein de bonnes choses, bonne musique à vous, et je vous dis à très bientôt dans un prochain tuto. Ciao !